Yo tout le monde, c'est Franck&Co, j'espère que vous allez bien, moi c'est super comme dire mon grand-père. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre petit let's play sur The Last of Us. Donc je vous cacherai pas que je suis un peu, enfin même plus qu'un peu, je suis même carrément hyper fatigué. Donc excusez-moi si je commente comme un peu, comme une pute ou si je fais de la merde. C'est tout ce que vous avez à savoir. Le vrai, la question que je me pose actuellement, c'est est-ce que ce type est un claqueur? Apparemment, c'en était un. Y'a un gros balourd! Mon dieu, je me casse très vite de là. Je vais mater deux spies si j'ai rien à récup. Voilà, tac tac. Tous nos genres de petits baby bye comme ça. Un, histoire de se caler. Il y a trop bien des flèches. Ça les gars, ça me met au top. Lui il me met beaucoup moins au top déjà, tu vois. Alors frère, attends. D'accord, donc ça, le seul truc où j'ai des babyballes. Ok, là j'ai déjà un truc là. Là je suis déjà full aussi. Ce qui commence à être chiant lui là, il va me suivre partout quoi. Je vais être followé. MDR. Pourquoi tu chantes toi là-bas? Il est où l'autre? L'autre connard est loin. Ah, Pokéfine. Il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, on va se mettre bien les gars. Hein. Comment te dire que là j'ai plus qu'à explorer cette partie-là, je suis refait. Ok. Oh yes. Oh trop cool, oh trop cool. Oh putain oui. Oh moi je dis oui. Le tuer servirait à rien, sauf un... me faire buter et à faire en sorte que je recommence tout. Donc ouais, je vais peut-être pas trop parler là, je suis un peu désolé. Bon, les flèches de mon arc frère, plus la merde. Putain quoi, j'ai rien. Ça c'est tranquille, je vais me refaire un surin, tu sais quoi gros, parce qu'on est jamais on est jamais à court de surin. Mais c'est une blague, qu'est-ce qu'il fait là-bas lui? D'accord, si même moi je l'ai pas entendu, ça m'étonnerait que lui l'ait entendu.
Voilà. Ah oh, putain, il va me casser les couilles là. À se poser n'importe où. Casse-toi. Sans déconner. Il est sérieux? Ah donc c'est-à-dire qu'il s'en bat vraiment les couilles quoi. Par contre les gars, s'ils rentrent dans cette pièce comment on... Je crie au scandale. Non mais... Non mais quoi? Non mais quoi frérot? D'où il vient là lui? Bon d'un côté c'est cool comme ça il va... Ok d'accord donc j'ai juste à me faire voir une seconde et me barrer quoi. Bolos lol. Putain gros les vieux champis comme ça me met trop pas bien. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un connard qui va me foncer dessus? Non c'est cool. Ok cool. On s'en est relativement bien sorti hein. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ça a bugué? D'accord, c'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. On va faire semblant, hein. Écoutez. Ok, cool. Ah. Oh, rien de spécial, rien de spécial. C'est la routine depuis 4 ans, hein, après tout. Lol. On devrait peut-être que je fasse un petit peu attention, moi. Je vais garder le pompe dans mes mains au cas où il y a un bail genre un zombie ou quoi, tu vois. Donc bah moi j'espère que vous allez bien. Hein. Dites-le dans les commentaires. Ah, d'accord. Dans ma tête ça sentait vraiment le... Oh là là. Le jackpot, mon frérot. J'ai pas assez. J'ai pas assez. Mais y a même pas une petite bouteille de Sky là qui traîne dans les... Et ça devait pas être des étudiants très rigolos. Bon, c'est mon avis. Personnel et unique. Donc c'est cool. Je sais même plus pourquoi de base on est allé là. Oui, pour le générateur. Salut Ellie. Que dois-je faire? Je dois l'amener là? Ah oui. Il est vrai. Le swag du câble, hein. On ne l'oublie pas. Merde. Oh là là quoi, bah tu sais quoi, je vais pas me faire chier, je vais attendre qu'il soit bien au milieu du truc. Parce qu'en voulant faire le BG. Je suis vraiment fatigué les gars. Hein. Faut pas m'en vouloir. Mais quand je te dis que je suis fatigué de ouf, c'est vraiment de ouf. Hein. Ah bah oui, j'ai réussi. Tout ce que je fais, je le réussis. Connasse. C'est le mec. Trop vénère. J'en suis sûr, lol. Bill s'en servait pour se protéger. Si ça se trouve, ils font pareil. Ouais. J'ai vu une meilleure protection qu'à mettre des gens qui bouffent d'autres gens. Mais bon, après, ça c'est peut-être moi. Et donc ça, le fameux miroir.
ressemble pas tellement à un miroir. Hein. Ou alors t'as pas vu beaucoup de miroirs, je sais pas. Adrien. Donc tu fais la ouf comme ça, petit cheval là. Je regarde vite fait s'il n'y a pas des petits trucs à prendre. Il y a R, frère. Il y a R de chez R. À voler ici. Trop nul. Trop nul comme endroit. Lol. Lol, l'endroit il est nul, hein. Faites pitié. Attends, gros, c'est 4 marches, t'es sérieux là? Je suis allé à la con, va. J'aime pas les chevaux. Enfin, les chevaux. Je sais pas pourquoi dans ma tête, mec. Qu'est-ce que t'as? Bah oui, mais on allait là-bas, espèce de. Pouf, c'est le mec qui s'énerve tout seul. Je sais quoi, ouais, cheval, CHEVALS. Je trouve que ça sonne mieux que chevaux. Je sais pas pourquoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, lol. Oui, c'est vrai. En plus, c'est marrant parce que. Ah, eh. Comme quoi, hein, le hasard fait bien les choses, lol. Connard de cheval de mon cul, casse-toi. Tout de suite. Quoi? Le cheval qui était fait en acier. Tin, 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 tin. Ça va les couilles, frère. Ok, bon, on va pousser ça, hein. Je pense que si je le lâche dans la descente, ça devrait aller. Ah, très bien. Ellie. Ah, elle vient. Mais pas le cheval. D'accord. Donc on abandonne du rayon. J'ai bien compris. Je pense qu'il faut mettre la poubelle là-haut. Donc là, on se rapproche vraiment dans une partie du jeu que je, enfin, dont je ne me rappelle vraiment pas. C'est-à-dire que je me rappelais de speed, de tout ce qui se passait dans la ville là. En fait, je me rappelle que de certains moments, mais là, je me rappelle pas du tout de ce qui se passe ici. Je serais même pas capable de vous dire. C'est pas con ça. Utiliser des lampes pour recharger les batteries qui alimentent les lampes. Comme ça, t'as de l'énergie à l'infini. C'est pas vrai du tout. Et que je pense pas que c'était ça l'idée de base. Hein. Une cinématique? Ah d'accord. C'était une cinématique toute mignonne. Oula, Ellie, là. Eh. Tu prends un peu la confiance, là. Jetons un coup d'œil. Séparons-nous pour trouver des indices. Je suis pas bien. Tu me frôles ou toi un peu, non? Yeah! Trop bien. Ah, ça c'est beaucoup moins bien. Ça. On va pas aller là tout de suite parce que j'ai peur que ça déclenche une cinématique. Alors pourquoi je dis que c'est beaucoup moins bien? Hein, c'est parce que. Oh. En général, quand il y a ce genre de bail, c'est qu'il y a un combat de boss. Plus ou moins loin. Donc si le combat de boss, c'était le petit mec d'avant que j'ai réussi à brain sans le regarder, c'est cool. Si un combat de boss juste dans genre 4 minutes, là c'est beaucoup moins cool. Tu vois. Tu vois les bails ou pas? Ce que je veux dire, tu comprends?
Alors, j'ai que 55 trucs. C'est une blague. Je ne peux rien faire avec 55. Je peux rien faire avec 55, si. Ça peut-être, mais je m'en bats les couilles. Je vais préférer le garder pour quand ce sera vraiment utile. On va améliorer la vitesse de tir, gros. Hein. Écoute. Hop, voilà. J'ai cette musique dans la tête. De retour vers le futur, hein, si je ne m'abuse. Ellie qui m'attend par le pouvoir du script. Là, mais. Mais Joël, mais calme-toi. Et c'est ça, toi, il crie encore plus fort. Qui t'es, espèce de connasse. Ouais, je disais quoi? Ouais, Joël, calme-toi, gros. Bon, apparemment, j'ai découvert le script. Hein. Par contre, Joël. C'est la dernière fois que tu ouvres une porte comme ça, frère. Tu me fais peur, gros. Là, il ouvre les portes gentiment et tout. Je suis vraiment un bolos. J'ai pas tout fouillé. Et... Bon, on va y retourner, écoutez, les amis. T'es malade, est-ce qu'il ouvre la porte? Oh oui. Oh trop bien. Cocktail Molotov amélioré. Oh putain. Oh 50! Oh ouais. Oh trop bien. Oh putain les gars, je me régale là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas trouvé une petite salle secrète un peu. Par contre frère... On en parle du truc qui est plein là? Ou pas? On va augmenter le rayon du man, écoute. Voilà, puisque je le sais un peu un thug, il se pose comme ça tranquille. Oh yes! Trop cool. Y'a avec ça? Enfin, que ça. C'est une façon de voir les choses. Hein. Oh, je suis deg. Je pensais qu'il y aurait au moins un peu d'alcool pour que je puisse me faire un petit cocktail Molotov. Bon, attendez. Déjà, je vais recharger tout ce que je peux recharger. Donc là, je peux recharger. Et là. Ok, cool. Parfait. MDR. Du coup, j'en avoir plein là, des trucs. Ouais, j'en ai 90. Ça, je me mets bien. Par contre, frère, j'ai 18 trucs là, je suis pas bien. J'en ai pas envie de pleurer avec toutes mes 50 000 armes, gros. Alors, vitesse de rechargement, non. Capacité du chargeur, t'as combien de chargeurs normalement? Faut de balles. Une, il me semble, hein. On va en améliorer un petit peu. Cadence de tir, c'est cool. Non. Il n'y a pas la capacité du chargeur. Voilà. Hop, on va régaler. Recul, on va en mettre un peu moins. Voilà. Ah, et bien voilà, on s'est mis bien. On va continuer vite fait. Tranquille ou pilou, tu vois. C'était là. Le scénario est par là. Et on va s'arrêter au prochain bond du scénario. Tu fais quoi, Ellie? J'aime pas trop ça là, la cinématique. Le scénario est là. Ok, ça vient de sauvegarder. Hop, donc nous on va se quitter sur ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Maintenant. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu parce que je suis vraiment assez fatigué et je me pousse à fond là pour vous faire une petite vidéo. J'arrive même pas à faire une outro correcte quoi, c'est ouf. Bon, bah c'était Frank & Co. Bye tout le monde.